La Somalie reste le pays le plus dangereux du monde. J'ai vu sa tête, j'ai vu sa tête. Je l'ai raté. Et les deux autres qui étaient sur le mur. Est-ce qu'ils ont tiré? Faites attention, nous ne sommes pas encore arrivés. Ne me filme pas, toi. Ce ne sont pas des gens de Mogadiscio. Ce sont des gens armés qui s'imposent dans cette ville. Ce sont des étrangers qui nous ont tirés dessus. Ils ne veulent absolument pas que vous les filmiez. C'est mauvais pour eux. Ils ne veulent pas que vous puissiez les voir. Et puis d'un seul coup, les balles sifflent. Les balles sifflent vraiment. À ma droite, des hommes tombent. Je me planque. Puis on se relève. L'infirmier qui était à côté de moi tombe, mort. Moi, je ne sais pas vraiment quoi faire. Et d'un seul coup, un choc énorme. Pas une douleur, un choc. Et je tombe. Là, je perds conscience. Je me réveille. Puis je me vois monter dans un hélicoptère, ou plutôt, être monté dans un hélicoptère. Et puis il y a cette vision que je garderai toujours, toute ma vie. C'est une plage blanche extraordinaire. Et je me retrouve à l'hôpital américain de Da Nang. J'ai pris 2 balles dans le ventre, 2 balles d'AK-47. Et quand je me réveille, je vois un visage absolument extraordinaire devant moi. Une jeune femme, elle a les yeux bleus, elle a un visage. C'est une... Oui, une déesse. C'est en allant voir un chef de guerre que, par hasard, je voyais sur la plage. Sur la plage de Mogadiscio, un petit groupe de miliciens se détend entre 2 patrouilles sur les lignes de front qui partagent la ville en 4 secteurs. Parmi ces hommes en armes qui pillent et terrorisent la population se trouvent des enfants, dont la moyenne d'âge va de 12 ans à 15 ans. Des enfants armés. Et l'un d'eux est particulièrement ouvert. Il s'appelle Farah Ali. Je commence à le suivre. Il est plutôt sympa. Et il nous amène déjeuner avec lui dans une espèce de cantine. Il a perdu ses parents, tués, lors des combats qui ravagent le pays depuis 1990. Il a réussi à survivre comme tant de ses copains en s'enrôlant dans la milice du clan auquel il appartient. On lui donne en retour quelques shillings qui lui permettent d'acheter 3 ou 4 cigarettes par semaine. L'assurance de pouvoir dormir parmi d'autres miliciens, ce qui pour lui est un gage de sécurité. Et, tous les jours, une ration de cat, une drogue hallucinogène, importée par les chefs de guerre depuis le Kenya et le Yémen. J'aime le cat. Mais si dans 6 heures je n'en ai pas d'autres, il faudra que je tue des gens pour en avoir. Car je ne peux pas m'en passer. Quel âge as-tu? 14 ans? Tu as 14 ans? Le 4, ça me lave le cerveau. Ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu gagnes à être milicien? De l'argent et du 4. J'aimerais être riche comme un chef de guerre. Ouais, j'aime l'argent. C'est un reportage qui m'a beaucoup marqué. Je voulais montrer les laissés pour compte de toutes ces guerres civiles. Ici, pas un homme, pas un enfant n'a été épargné. Ils ont tous perdu une jambe ou un bras au minimum. Ils essayent de revivre malgré leurs souffrances, physiques d'abord,
Les nerfs de leurs membres ont été coupés à la va-vite sur les champs de bataille. Cela leur donne la sensation que leurs jambes ou leurs bras perdus les font encore souffrir. Cela débouche sur d'autres interventions, sur d'autres amputations. Et puis, il y a l'épreuve décisive de la prothèse, qui finit souvent par réinfecter les plaies. Et alors, la gangrène réapparaît. Souffrance autre, celle de se voir au banc d'humanité, de ne plus oser voir, ou plutôt se montrer à ceux que l'on aime. Car on a honte, honte de ce que l'on est, honte de ce que l'on est devenu, honte de son corps mutilé. Plus tard dans la soirée, une explosion nous secoue. Cela vient de l'autre côté de la ville. Nous nous y précipitons. C'est un quartier entier que les Américains ont détruit. Là, la rage, la haine. C'est ça que je vois en cette fin de premier jour à Bagdad. La rage, la haine, l'incompréhension. بوش العراق بذمتهم العراق بذمة بلير العراق بذمة بوش العراق بذمة العرب العراق بذمة بوش بوش بلير إرهاب هذا بلير صور هذا هذا هاي الحرية اللي يريدوها هاي الحرية هاي الحرية هذا احتلال إرهاب هاي الحرية يريدوها هذا حرية العراق هذا هو بوش وصدام وبلير إرهاب بوش صدام إرهاب صحوا بوش وصدام إرهاب La chose la plus curieuse à l'Algérie que je n'ai vue, ce sont les enfants qui s'enfuyaient en me voyant. Alors, on me pose la question, je me demande pourquoi. Et l'un des habitants me dit, mais tu sais, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas vu de blanc. Alors eux, bah, évidemment, ils n'ont jamais vu de blanc de leur vie. C'est incroyable. Là, je me dis, ah oui, là, je suis dans un autre monde. Hein? 90% des pistes n'existent plus, faute d'entretien. La forêt équatoriale a donc repris ses droits. Les guerres ont détruit les infrastructures, comme les ponts et les bacs. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage qui n'a pas été tourné en pleine guerre, qui n'a pas été tourné de l'autre côté de la planète, mais bien en plein Paris. Et pourtant, je m'en souviens douloureusement. C'est alors que j'entends une voix me dire « t'es en train de filmer ». Là, la panique m'envahit. À la seconde même, je cours à corps perdu vers la rue que je traverse. Je tourne vers une place éclairée, j'entends derrière moi, un fracas. Je peux voir les poursuivants s'écraser contre un abribus. Mais je peux voir devant moi des ombres qui traversent à leur tour l'avenue et qui me coupent la route en fonçant sous le métro aérien. L'espoir qui m'avait habité pendant quelques millièmes de seconde s'évanouit et la terreur explose. Je me sens plaqué au sol. Je tombe. Je vois une dizaine d'ombres se pencher vers moi. Sans doute, quelques minutes plus tard, je reviens à moi. Je vois avec précision la vitrine d'un McDo. Et je me vois en train de frapper contre la vitre, qui se teinte en rouge. C'est alors que je m'aperçois qu'au bout de mes bras, il y a de drôles de jets. C'est du sang. J'ai certainement des artères sectionnées quelque part.
Le lendemain matin, nos contacts arrivent. C'est une, ouais, c'est une rencontre assez bizarre avec ces gens dont je ne parle absolument pas la langue, mais ils ont une bonne gueule. Ouais, ils ont un visage assez franc, ils ont une bonne gueule. Des discussions s'entament, je n'y comprends absolument rien. Le patron de l'hôtel arrive et assiste à la réunion. And then they are trying to win or to get a lot of money easily. Then some of them become a pirates in the sea. Some of them become. Ce ne sont pas des gens de confiance. Ce sont des gens qui veulent gagner de l'argent facilement. Ils sont de mèche avec les pirates. Ils sont de mèche avec les gens qui hackent les bateaux en haute mer. Ce sont des gens dangereux. Il nous dit non, il ne faut absolument pas que vous partiez avec eux. Ils se sont dit qu'ils allaient vous livrer pour 40 000 dollars à un chef de gang. La seule chose que cette famille finalement fait en fin de partie, c'est voler, parce qu'elle n'a plus rien à faire d'autre. Tu as déjà été arrêté par la police ? Oui. Pourquoi ? Ben, pour des vols. Et pourquoi des vols ? Ben, pour amener de l'argent, quoi. De l'argent à qui ? Pour ma mère. Oui, mes frères et sœurs. T'as été arrêté par combien de fois? Je sais plus le compter. C'est plus le compter? Ouais. 5, 10, 15, 20... Plus que ça même. Beaucoup plus. 50 fois peut-être, on est sûr. Plus, non. Mais incarcéré 4 fois. Oui. Et voilà là où l'autre, puis les sacs à arracher. On sort que le métro il sonne et puis on prend le sac qui est dans la femme qui est dans le métro. C'est pas pour ça que j'ai été en prison aussi. C'est pour autre chose. C'est pour quoi? Des agressions. Pour des agressions? Oui. Quel genre d'agressions? Agresser des gens pour prendre leur argent. Et tu les agressais comment? Bah, je sais pas moi. Donne-moi tes sous, sinon c'est ensemble. Son frère aîné, lui, purge également des peines de prison. Les enfants sont dans la rue. Je voudrais vous parler de moi et de ma passion du feu d'artifice. J'ai eu l'honneur de travailler pour une grande société de feux d'artifice française où j'ai fait des films d'entreprise. Ça m'a complètement émerveillé. J'y ai connu des personnages complètement incroyables, des gens qui, j'espère, vont vous ravir. Mon premier personnage est Jean-Pierre Ziegler. Il est chimiste. Il n'a qu'une passion, créer des bombes et les tirer ensuite. Mon second personnage est Claude de Vernois. Vous le verrez tout au long de ce reportage. Il est réalisateur et c'est lui qui tire ses feux d'artifice. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener au château de Chantilly, où il y avait un des plus grands concours du monde. Toute la planète s'y donne rendez-vous. Alors, attention aux yeux !